bijouterie. J'ai fait donc un trait à 5,7 cm, ce qui correspond à une taille 56. En tenant compte de l'épaisseur de l'argent et de enfin de la taille. Vous prenez le tableau que je vous mets en lien et vous avez toutes les tailles. Ensuite, on prend une scie. Donc on va couper en suivant le trait qu'on a fait, avec une scie spéciale pour les bijoutiers. Hein. On met un peu de graisse. Voilà, donc on a coupé le bout d'argent. Il y a toujours le film dessus. Là, on va le marteler. Alors moi, j'aime laisser le film de protection pour marteler parce que ça fait un effet plus doux en fait. Enfin, et s'il n'y a pas de film de protection, j'aime bien mettre un petit cellophane ou un petit bout de plastique en fait pour protéger du marteau. Donc on prend un marteau comme ça, hein. Moi, je crois qu'il pèse 1 kg ou spécial. Et on martèle. Voilà, on a fini de marteler. Il y a toujours la pellicule dessus. Bien penser à marteler sur les côtés. Et comme on a martelé, on va revérifier que notre bout fait toujours 5,7. Parce qu'en fait, je pense qu'il va falloir un peu le recouper. On va recouper un petit millimètre. Ensuite, on va enlever le film, le petit film de protection. Donc ça donne ça. Donc, il faut un petit set de lime, de toute petite lime. Moi je prends la plate et il faut limer les bords partout. Donc on a limé pour arrondir les bords. Derrière, on va carrément poncer. Même si ça raye un peu, c'est une éponge spéciale qu'on trouve en rayon de bricolage. Et on va poncer. Toujours dans le même sens.
Donc c'est important, toujours dans le même sens, jamais, jamais, jamais changer de sens. Donc cet aspect brossé. À savoir que vous pouvez aussi le faire de l'autre côté, à la place du martelet. En fait, ça fait un aspect brossé. Donc on va prendre un bout de laine de fer pour arrondir les angles partout, pour qu'en fait tout soit très très doux au toucher, qu'il n'y ait aucun bout qui raccroche, aucun bout d'argent en fait qui soit blessant. Vous pouvez y aller franchement, hein. C'est terminé. Elle est toute douce. Il n'y a plus rien qui raccroche. Pour frapper la base de la bague en argent, il nous faut des tampons spéciaux en fait, en métal. Ceux-là, ce sont des Impress Art. La police, c'est Bridget. Il en existe de plusieurs tailles. Ceux-là, c'est des 3 mm, mais il en existe des 2 mm, des 1,5, des 6. Alors, je connais mon alphabet, donc je sais exactement comment l'écrire, quelle place il va prendre, à peu près. Mais sinon, il faut bien... Comment dire? Il faut bien calculer, en fait, pour que ça soit centré, hein, on est d'accord? Donc moi, je connais l'alphabet, donc je l'écris sur le scotch, sur un scotch en plastique. Bon, on va inverser les prénoms. Alors, on commence avec le L majuscule. Je vais pas vous dire toutes les lettres, hein, mais... Donc là, on voit que dans le prénom, on va prendre le milieu pour pas se tromper en fait, pour que ce soit vraiment... Donc une fois qu'on a fini de graver les prénoms, pour tordre la bague assez uniformément, il faut en fait cet accessoire là. On commence ici. On va venir le tordre d'un côté, idem de l'autre.
Donc je veux du 56, donc c'est du 7 3 quarts. Vous voyez, elle arrive pile au 7 3 quarts, donc c'est nickel. Mais une fois qu'on arrive à ce stade-là, il vous faut un marteau donc en plastique et on va venir taper en fait pour l'arrondir et revenir la serrer ensuite. Donc pour oxyder la bague, il nous faut du bicarbonate alimentaire dans de l'eau froide et dans de l'eau chaude du sulfure de cuivre. Alors c'est un produit très dangereux, hein, très toxique, etc. etc. Donc on manipule quand même avec précaution et on met uniquement 2 ou 3 gouttes. Sachant que ça sent très très fort, c'est juste horrible comme ça pue. Donc ça sent vraiment l'œuf pourri, c'est horrible. Donc le sulfure de cuivre oxyde l'argent. C'est une patine qui ne part pas. Même vous pouvez vous laver les mains, mettre votre bague sous l'eau, etc., etc. Ça ne partira pas parce que ça l'oxyde. Ça ne le colore pas, ça l'oxyde. Et le bicarbonate alimentaire dans de l'eau froide va servir à arrêter la réaction. Donc on va laisser agir quelques minutes. Donc au bout de 3-4 minutes, vous arrivez à ce stade-là. Donc la bague est complètement noire. Dans ce cas-là, hop, vous pouvez la mettre dans la solution de bicarbonate et on touille bien. Par contre, ça, je vais l'enlever, je suis désolée. Voilà. Donc là, on peut essuyer la bague. La réaction est complètement stoppée par le bicarbonate. Et vous obtenez donc la bague comme ça. Elle est complètement oxydée, donc oxydée dans l'écriture, oxydée à l'extérieur. Dans ce cas-là, il existe des pâtes polish. C'est-à-dire que c'est un peu un papier magique qui polie, mais alors à une vitesse éclair. Donc, avec de l'huile de coude, donc vous voyez ce qu'on obtient déjà sur l'extérieur. Donc ce papier-là, il est abrasif en fait, on dirait pas, mais il est abrasif, il faut bien appuyer. C'est du polish en fait. Voilà ce qu'on obtient en fait quand la bague elle est polie. Donc l'oxydation que vous avez dans les lettres ne partira pas. Vous pouvez vous laver les mains, ça ne bougera pas. C'est de l'argent 925. Et ça ne bouge pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre d'infos.